Hello tout le monde, c'était Sando Jeu Pas Cool. Aujourd'hui, ben, c'est une vidéo où je parle de FIFA Coupe du Monde 2014 qui est déjà sortie. Donc, je l'ai tournée il y a un petit temps déjà. Donc, soyez persévérants. Et puis, au revoir! Hello tout le monde, c'était Sando Jeu Pas Cool. Aujourd'hui, nous allons commenter ce match, pardon, qui oppose les Pays-Bas à l'Espagne, ou l'Espagne aux Pays-Bas. En Coupe du Monde 2014, puisqu'elle approche bientôt, dont allez, je dirais, moins de 100 jours, ou 200, je sais plus. Ouais, moins de 200 jours, ah, je sais pas. Attendez, je vais réfléchir un peu. Ouais, non, je sais vraiment pas. Bon, bah, ce match que je vais commenter avec vous sur FIFA 12 toujours. Je voulais aussi vous parler que la Coupe du Monde 2014, le jeu, va bientôt sortir. Je l'attends beaucoup. J'espère elle ne sera elle sera encore sur les anciennes versions, enfin les anciennes consoles, on peut mettre des guillemets à anciennes quand même. Par exemple sur la Xbox 360 et puis la PS3. Il n'y aura pas sur PC, je crois. C'est comme la Coupe du Monde 2010. Oh, le goal! Xavi en 15e minute. Ouais, non. C'était une belle action collective. Ben, c'est l'Espagne qu'on connaît. C'est l'Espagne qu'on connaît. Un tir de Xavi et c'est le goal. Faut qu'il remonte, bien sûr, les Pays-Bas. C'est un peu étonnant, 15e minute déjà un goal, mais bon. Comme je disais, ouais, c'est un jeu que j'attends vraiment beaucoup. Les graphismes seront améliorés, il y aura les gestes, enfin non, les jeux techniques, comme dans FIFA. En fait, c'est FIFA 14, mais avec les nations. Ouais, ben, c'est juste ça. Je vais l'acheter, bien sûr. Ils seront 16 avril, des trucs comme ça. Enfin, il y a un nombre avec deux chiffres. Ben, en même temps, c'est un nombre. Et c'est en avril. C'est tout ce que je sais. Non, je peux en savoir plus, mais non, je sais pas vraiment. Voilà, c'était juste ça. Schneider, à Van der Vaart. Je crois qu'il a... Non, il a pas arrêté. Il a Hambourg, je crois. Schneider. Bon, je vais commenter le match. Il a fait un geste technique qui sert à rien. Tire Kuyt à Schneider. Kuyt qui est dans une petite équipe. Le tir de Schneider. Ouais. Dévié par un joueur espagnol. C'est qui fera un corner de Schneider toujours. Ouh, non. Il l'a pas pris de la tête. Le numéro, je sais plus combien. Un 16 mètres. Ah bah non, c'est pas 16 mètres. Je sais plus combien de mètres même. Ouh, j'ai oublié les fondamentaux du jeu pour Casillas, mais là, Iniesta qui a récupéré la balle. Je croyais qu'elle avait le numéro 8, Iniesta, mais c'est Xavi qui lâche. Iniesta, il l'a dans son club, l'UFC Barcelone, le numéro 8. Fernando Torres qui aurait dû faire une passe. Enfin, je sais pas. David Villa. Ah, Fernando Torres qui s'est battu et qui l'a. Ouh, il fait un peu n'importe quoi. Sergio Busquets, Xavi, Iniesta, Xavi. Xavi Alonso, un tir qui ne sert à rien. Donc, c'est pour Stekelenburg. C'est qui l'a? Ah, en espagnol. Piqué qui l'a prise. Enfin, non, c'est pas Piqué qui l'a prise. Arbeloa, Xabi Alonso, Sergio Busquets, Xabi Alonso, Sergio Busquets, c'est en live, hein. Je sais pas vraiment ce qui se passe. Mais oui, c'est en live. Oui, certains ne l'étaient pas. Busquets, Xavi, oh, le match nul, oh, c'est vraiment de la merde, attention. Ah, Sergio Busquets, Xabi Alonso qui aurait pu tirer au début, mais ouais, bon, ça servait à rien, mais bon, il peut faire un. Ah, ben non, il pouvait faire un centre. Ramos, ah, il aurait pu faire un centre à Torres, mais Iniesta, ah, David Villa qui tire sur son pied gauche, et ben non.
arrêté par Stekelenburg, nous allons revoir, nous sommes à l'Amsterdam Arena. Oui, Stekelenburg l'arrête. Ouh, une domination espagnole, 64 à 36. Il la prend de la tête, oh, il aurait pu piquer, qui a tout raté. Enfin, non, eh oui. Tac. Il n'était peut-être pas sur sa bonne tête, même si je sais pas si je peux lui le dire. Le centre était bon, c'était la finition qui était mauvaise. Donc, Stekelenburg. Ah, c'est déjà là. Il reste 2 minutes de temps additionnel. Van Bommel qui a arrêté, je crois. Non, non, il joue dans. Je sais même pas s'ils ont arrêté Schneider. Je sais qu'il joue toujours. Il joue au Galatasaray, un club turc. Il évolue en Turquie. Van Persie, tout. Van Persie qui joue au Manchester United, qui évolue avec plein de goals. Boum, le tir! C'était dommage. Il y avait de l'idée. Est-ce qu'il y a Robben au moins? Je sais pas. Un but de Xavi à la 15e minute que j'ai failli louper, mais je ne l'ai pas loupé. Attention, il y aura un petit bruit. Ouais. C'est un petit bruit parce que je m'asseyais un peu mieux. Bon, bah, on va passer. Ah, bah non. Il y a les ralentis. Une bonne passe. Il était seul et il tire. Un pointu. Et voici une tête un peu ratée. Ouais, le tir arrêté. Et voilà, c'est fini. Boum, le tir. Et c'est le goal de Stekelenburg qui n'a pas pu l'arrêter. 1-0 pour l'Espagne. On se serait pas douté. Un but pour l'Espagne de Xavi. Deux tirs. Deux tirs à 4. Donc, on voit une vraie domination espagnole. Un tir cadré pour les. Pour les Hollandais. Et puis, deux tirs cadrés pour les Espagnols, donc ça fait 50-50, les tirs, la précision des tirs, 42 de possession, oh, ça a bien changé, et puis 58 de possession pour l'Espagne, ouais bon, vous pouvez le regarder, mais deux tacles pour la Hollande, qui sont très agressifs, normalement, c'est eux qui ont battu le record de plus de tacles, avec le Portugal en 2006, je crois, avec l'Espagne qui a fait un seul tacle, zéro. Attendez, zéro faute chacun, zéro carton jaune, zéro carton rouge, chacun zéro blessure, zéro hors-jeu, un corner chacun, 90% de précision de passe, 95% pour l'Espagne. Alors, on va reprendre le match. Voilà. Donc, l'engagement, voilà, qui a été fait par les Espagnols. Xabi Alonso, qui va la mettre à Iniesta, à re-Xabi Alonso. Alonso, bref. Alonso, Xavi, Busquets, qui pourrait la mettre à Torres là. Mais il a préféré la mettre à Arbeloa, qui peut toujours la. Ouais, ok, il a préféré David Villa. Sergio Busquets, qui devrait centrer. Non, il le fait pas. Il a fait une passe à Xavi, qui a rien pu faire. Busquets, qui peut encore faire des choses, mais qui ne le veut pas. Xavi! Oh, il aurait pu tenter. Xavi qui la passe! Ouh, j'avais pas vu qui c'était. Il a passé à qui? À Xavi qui a passé. Ah, bah non. Ouais, non, c'est vraiment pas numéro 7. Ça peut être qui? Ah, Fabregas qui entre pour Sergio Busquets. C'était Torres qui a tiré en fait. Ouh, magnifique tête. Stekelenburg, qui fait un très bon match pour le moment, mis à part qu'il s'est pris un goal, mais bon. J'aurais plutôt cru que c'était vers les dernières minutes qu'ils se départageraient. Mais non. Ils se sont départagés à la 15e minute par un but de Xavi. Il était extraordinaire quand même, puisque c'était un jeu très collectif, donc un beau but. Ah, il faudrait plus appuyer sur les passes. La Hollande qui sont plus en défense.
Ils peuvent revenir, c'est un tout petit score. Van Persie qui peut faire des choses, Schneider qui peut aussi faire des choses. Van der Vaart, Dierkuyt. Ah, il a réussi à la mettre pour Pieters. Non, je ne connais pas ce joueur. Van der Vaart qui est sur son beau pied. Ouh, c'était très dangereux ce tir. Pas le tir, mais la déviation. Mais Casillas a su la maîtriser. Matheson. Bref. Schneider. Ah, Robben était là, bien sûr. Van der Ville qui peut faire un centre pour Van Persie. Ah, non, 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 c'est contré. Van der Vaart qui va tirer le corner. Il le tire. Van Persie qui peut. Oh, magnifique arrêt de Casillas. C'est à 71e minute. Ça avance très vite le match. Toujours rien. C'est un peu nul. Enfin, ouais. Mais bon. Il n'y aura pas beaucoup de buts puisque c'est deux grandes équipes avec une belle défense et tout ça. Ils ont su se départager au début du match, mais ce sera pas comme ça longtemps. C'est pour Arbeloa, Xabi Alonso. Il pourrait la passer à Torres, mais non, il la passe à Fabregas. Il peut tirer, il peut tirer, et c'est le goal! 79e minute de Cesc Fabregas. Oui, c'est impossible à prononcer son nom et j'en ai rien à foutre. C'est écrit Fabregas numéro 10. Et oui. Il aurait pu tirer au début, mais il a bien attendu que le gardien sorte et il a tiré et c'est but. C'est le goal. Ça trouve le filet. Donc, le Hollandais qui s'est perdu pour eux, puisque pour marquer deux goals avec un très bon gardien qui est Casillas, c'est super dur. C'est que Lundborg qui avait rien pu faire puisqu'il était sorti. Oh, le tacle qui servait à rien d'Iniesta. Le numéro 10, ça va être Schneider qui va sortir peut-être. On va le voir tout de suite. Oui, les spectateurs un peu moches. Oui, c'est Wesley Schneider qui sort pour De Jong. Et puis, j'ai pas pu voir les Espagnols qui sortaient, mais on va le voir tout de suite. Ah, c'est Xavi Martinez, bref, quoi. Martinez qui sort pour Alonso. Ah, les Espagnols qui attaquent beaucoup et ça paye. Martinez qui vient d'entrer. Via Xavi. Cette Fabregas. Bon, Xavi qui peut tirer. Non, ils veulent pas tirer. Xavi qui est toujours sur son bon pied. Il peut tirer. Enfin, oui. Il a de l'espace. Il a la technique. Mais il préfère faire des passes. Il reste 1 minute. C'est une peine perdue pour les Hollandais. J'espère qu'il sera pas comme ça le match de la Coupe du Monde. Oh, l'arbitre qui touche la balle. C'était magnifique. C'était la seule belle action de l'arbitre. C'est souvent comme ça. Robben qui peut faire des choses. Ah, Van Persie! Allez, Van Persie! Non! C'était nul. Le match est terminé? Oui, il est terminé. Un but de Xavi à la 15e minute et à la 79e minute. C'est Fabregas qui met le goal après être entré. Il venait d'être entré. Bon, bah voilà, nous allons nous laisser là-dessus. Attendez. Et on va regarder le ralenti. Voyez le but de Xavi à la 15e minute. Puis après, plein de tirs hollandais n'ont pas su effrayer Casillas. Puis ensuite, le but de Fabregas. Il avance, le gardien était sorti, et puis c'est le goal. Puis là, c'est le goal. Bref, un très beau match. Nous allons voir les statistiques. Enfin, on voit ça. Stekelenburg qui est homme du match de la Hollande. Et puis ou sinon c'est Xavi qui est l'homme du match, tout simplement. Le capitaine Casillas, attendez, on va revoir. Et le capitaine Van Bommel. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis que dire d'autre? Au revoir. J'espère que cette vidéo vous a plu.
Et puis, bon ben, à la prochaine!